Alors, en ce qui concerne donc la partie qualité, c'est de venir garantir à nos clients que les produits que nous leur livrons répondent aux exigences réglementaires et normatives, de façon à assurer un haut niveau de qualité. En ce qui concerne la partie environnement, c'est de venir garantir également à nos clients que la façon dont on produit ces moquettes fait de manière à protéger l'environnement et également respecter notre engagement vis-à-vis de l'ISO 14000. L'environnement chez Balzan, c'est quand même un large morceau, puisqu'en fait le site d'Arthon est une installation classée pour la protection de l'environnement depuis 1976. Donc cela implique en fait que le site d'Arthon se doit de respecter un certain nombre de prescriptions qui ont été dictées par la préfecture. Donc on a un environnement industriel relativement riche, avec donc une station d'épuration liée au fait qu'on est des teinturiers. Donc forcément on consomme beaucoup d'eau et donc de ce fait on en rejette beaucoup. Également donc on a beaucoup de déchets différents, avec une volonté donc de recycler à 100% l'ensemble de nos déchets, donc ce qui implique énormément de tri à la base, donc beaucoup de sensibilisation à faire pour être certain qu'il n'y a pas de mélange. Également des installations de combustion relativement conséquentes, donc ce qui fait que le site Balzan est soumis au quota de CO2, donc on se doit de suivre et de monitorer de manière assez précise nos consommations énergétiques, de façon à nous assurer qu'on ne dépasse pas les émissions de CO2 qui nous sont allouées annuellement. De manière un petit peu plus concrète, ça veut dire mettre en place des inspections, des surveillances pour être sûr qu'il n'y a pas de mélange des déchets, pour être sûr que les consignes de réglage au niveau des fours, enfin tout ce qui va consommer de l'énergie est bien sous contrôle. Ça peut être des choses un petit peu plus simples, comme aller expliquer aux gens d'interne l'intérêt de certaines mesures, comme le fait de venir éteindre les lumières par exemple le soir. Ça semble évident à chacun, mais finalement ça ne l'est pas toujours au sein d'une entreprise. Autant qu'on peut, Balzan est une entreprise respectueuse de son environnement, visant à réduire ses impacts environnementaux, aussi bien donc sur le site de production, mais également au-delà. On s'implique également au niveau de la filière pour venir récupérer tous nos produits en fin de vie, notamment pour mettre en place de la récupération, du recyclage ou, dans le pire des cas, de la revalorisation énergétique.